Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour Mes abonnés dessinent mon liner sur le thème de l'hiver. Donc voilà, j'ai décidé cette année de mettre des thèmes, mais je pense que de temps en temps, parce que j'ai encore une dizaine, je crois, de liners que vous m'aviez dessinés hors thème. Donc je pense que de temps en temps, je referai une deuxième vidéo sur le mois. Bon, pas ce mois-ci parce que c'est pas possible, mais voilà, quand j'ai un petit trou dans mon planning, ben, je ferai ceux-là quand même hein, pour les faire parce que vous vous êtes donné la peine de me les dessiner. Donc là, pour le mois prochain, c'est la Saint-Valentin. Il m'en manque au minimum un. S'il y en a plus, on fera des choix. C'est souvent Sam qui choisit. Voilà, tout simplement, et après c'est gourmandise, je crois. Donc je vous mets en barre d'infos un lien vers un face chart pour le faire, ça sera beaucoup plus simple. Après vous en trouvez plein sur internet, hein. Vous tapez face chart et vous dessinez le liner que vous voulez suivant le thème. Et voilà, donc vous pouvez m'envoyer par mail, je vous mets mon adresse mail en barre d'infos. Et vous pouvez me l'envoyer sur le thème de la Saint-Valentin et des gourmandises. Voilà. Donc, on va commencer avec le premier. Alors, vous allez voir qu'il y en a deux qui se sont passés le mot. J'ai deux Bambi. Donc, je pense que je vais commencer par un Bambi. Voilà, tout simplement. Et on va commencer par celui de Kenji Nao. Il est très, très, très coloré. Alors, le nez rouge, je ne suis pas sûre. Hein. Peut-être pas. Mais le reste, on peut faire comme ça. Donc, je me rapproche et on attaque ça. Donc, je vais dégager la touffette. J'ai mis mes strass de cheveux de chez Shein. Vous avez vu dans mon dernier haul que je vous remets en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vu. Voilà. Alors, je vais commencer avec les Glisten marron. Puisque les bois, c'est, je sais pas si, non, c'est du marron foncé, hein, ouais, du marron foncé et du marron plus clair, donc je vais prendre ben, les deux teintes ici, ça sera exactement les mêmes, et voilà, tout simplement. Alors, j'ai préparé mon quota de pinceau liner, j'en ai encore s'il faut, mais je prends les Botwiski, je ne sais pas comment ce qu'on dit, en priorité, c'est ce que je préfère. Alors, par contre, je vais juste préparer un highlighter pour le coin interne. Je vais à chaque fois mettre en coin interne le Marilyn Monroe, la Révolution, puisque c'est des petites paillettes. Je vais le mettre à l'embout-mousse et voilà, mon teint, je ferai pareil pour chaque make-up, puisque... J'enchaîne. Voilà, je vais essayer de les faire tous aujourd'hui. Donc, et même si je ne les fais pas tous aujourd'hui, ça sera même coiffure, même tenue et tout ça. Et le teint, je ferai pareil pour chaque liner. Donc, je vous liste les produits en barre d'infos. Alors, je vais juste attacher mes yeux parce que sinon, ils vont me kikiner. Alors, je commence avec le marron le plus foncé. Alors, les bois de Rennes, c'est pas évident. J'avais essayé de le faire une fois quand je faisais la série Game of Thrones. Et Indy m'avait dit, c'est très compliqué à faire. Donc là, mon liner risque d'être un peu trop mouillé. Donc, je vais faire d'abord, je pars de la moitié de mon œil. Je vais le faire quand même assez épais. Je vois pas bien. Je suis pas assez proche de mon miroir. Histoire qu'on le voit quand même en dessous du plus clair. Oh, j'aime tellement ces liners. Ils travaillent tellement bien. Alors, il y a un bois qui repart vers le bas. On va déjà faire un liner classique. Et maintenant, je peux m'amuser à faire les bois. Donc, comme ça. Je
qui est pas évident à faire. Je sais pas, ça va ressembler à des bois de serre, mais écoutez. Et on va en faire repartir un du coin externe. Alors vous allez entendre mon chien pleurer, hein. Je ne peux rien y faire. J'ai la petite caisse à chaleur. Voilà, je ne sais pas trop si ça ressemble à des pois de serre. Mais en tout cas, le dessin, j'aime bien. On ne serait pas du tout symétrique. Hein, mais on fera comme si. De toute façon, les bois de serre sont pas forcément symétriques non plus. Bon, voilà. Je laisse comme ça parce que sinon, ça va être pire. Et du coup, je prends le marron juste à côté, un peu plus clair. Enfin, plus clair. Pas un peu, il est plus clair. Et je vais commencer par continuer mon coin, enfin mon trait ici. Voilà. Et je vais passer un peu sur le foncé, ouais, comme ça. Il faut pas qu'on cache tout le foncé non plus, sinon il n'y a plus les deux teintes liner. Tu m'as dessiné une petite étoile et des petits points. Ça a l'air d'être beige. Alors, je vais prendre le Creator ici pastel. Oh, putain, j'arrive pas à l'ouvrir. Il est scellé ou pas mal? Je l'ai utilisé. Non, je ne l'ai pas utilisé encore. Ah non, il est encore scellé. Ah ouais, je ne l'avais même pas utilisé encore, cette palette. Et je vais prendre. Je vais prendre celui-ci. Donc celui-ci n'est pas idéal pour faire les petits points. Donc je vais prendre le cul du pinceau. Le dotting tool, il gratte trop les fards. Donc sur les joues. Ça fait des petits points beige et blanc. Donc on va juste faire des beiges et je pense que je mettrai des petites perles pour faire le blanc. Qu'est-ce que tu en penses? Donc je vais coller quelques petites perles. Ah, et une étoile. Bah écoute, je vais pas trop m'en aller. Je vais faire un rouge temple, hein, si je trouve mes étoiles. Voilà. Je vais pas trop m'emmerder. J'ai pas envie de la dessiner, donc je la fais ici. Voilà. Elle est plus petite que ce que toi t'as dessiné, mais c'est pas plus mal. Je vais coller quelques perles en muqueuse. Je vais mettre le taupe de chez Sephora mascara. Et alors sur les lèvres, je vais tester le vert de chez XX comme ça, Matrix. Que j'ai eu de Amy parce que je l'ai pas encore utilisé puisque apparemment tu veux, je pense que c'est des paillettes, donc je vais utiliser le vert ici Glisten pour les paillettes sur les lèvres. Je viens vous remontrer ce que ça donne et on passe au deuxième liner. Alors, pour ce deuxième make-up, on part chez Margot. Margot qui fait à chaque fois... De toute façon, c'est tout le temps les mêmes qui font les liners, hein, je vous avoue. C'est rien, vous allez devenir les fournisseurs officiels d'idées de cette série de vidéos. Donc, Margot, c'est son thème hiver, ressemble à ça, voilà.
Donc écoutez, ben, je me rapproche et puis on attaque tout de suite. Alors, je vais commencer avec un jumbo violet. Donc là, c'est ceux de chez Sephora. Et je vais faire une base violette pour mettre du fard par-dessus. Ils commencent à devenir un peu secs, hein, ces jumbo-là. Ils sont très vieux. Je les avais eus lors des premières soldes de Sephora, quand le Sephora a ouvert près de chez moi. Donc, je blende avec mon doigt parce que je suis une grosse feignasse. J'en mets également en racine. Je blende encore avec mon doigt. Plus facile à laver un doigt qu'un pinceau. Ça va plus vite. Alors, je vais prendre la Fade Into Flow. La fude de chez Colourpop. Et je vais prendre le violet juste ici. Je trouve qu'il a l'air assez ressemblant par rapport à ce que tu m'as mis. Je prends un pinceau plat. Et j'applique ça par-dessus, quoi qu'il fait peut-être un peu plus fuchsia. Mais bon, avec le crayon violet en dessous, ça ira. Les paillettes vont juste légèrement ressortir. J'en mets également sur mon racine. Et je blende. On blende, on blende, on blende, on blende. Voilà pour les fards. C'était difficile, hein? Alors, tu fais partir les arabesques roses du coin externe. Donc, je vais quand même faire un trait de liner noir, mettre du crayon noir en muqueuse pour que ce soit plus harmonieux et qu'il y ait une continuité. Trait de liner noir. Donc, je vais essayer de faire une toute petite virgule. Je suis pas douée pour les petites virgules, hein, c'est toujours de l'exagération à gogo. J'ai toujours tendance à les tirer, hein, à tirer, tirer, tirer. Pour le liner rose, je vais prendre le rose ici de Révolution. Et donc, on part sur les petites arabesques. Tu m'en as fait 3. Peut-être pas assez flash par rapport à ce que tu m'as fait, la couleur que tu as choisie. On va voir. Donc, je vais le faire partir dessous la queue de mon liner ici. Il y en a une qui revient vers le haut. Voilà! Ben, c'est très joli. Alors, je ne sais pas si c'est des points blancs que tu as fait ou si tu as mis des strass. Écoute, moi je vais mettre des points blancs. Ça fera plus effet boule de neige. Je prends donc le blanc de chez Glisten. Je prends le cucu de ce pinceau-là parce qu'il est un peu plus gros. Et tu m'as fait 4 pompons. J'ai envie de dire des pompons. 4 points blancs, quoi. Peut-être un peu fluide, hein. Alors, mascara en muqueuse, je vais mettre le rose comme ça des obsessions, le crayon obsession. Je vais m'en servir également pour remplir mes lèvres et je vais juste rajouter par-dessus pour mes recherches le petit gloss rosé comme ça que j'essaye de terminer. Voilà, comme ça c'est fait. Je viens vous remontrer ce que ça donne et on passe au liner numéro 3. Par chez mon petit bichon Lynn, Cosplin. Et voilà, donc lui c'est un make-up carrément graphique à noir avec des paillettes et du liner blanc et bleu. Donc je me rapproche et on attaque. Alors je commence avec mon jumbo noir de chez Sephora qui a vraiment un problème. Et je tartine ça sur ma paupière. Donc on va faire un peu comme le make-up précédent. Je vais en mettre également en muqueuse et en racine. Donc là, je blends. Et là, je prends la Blowing Love, la Blowing Smoke de Colourpop. Je prends du coup le fard noir à paillettes ici, que je vais appliquer partout sur ma paupière, là où j'ai mis du crayon.
avec la tranche, j'en mets en racine. Ok, ok, ok. Alors, avec un pinceau plat un peu plus dense, je vais prendre celui d'un Naked 3. Je prends le noir, donc sans paillettes, qui est juste ici. Et je vais donner la forme au make-up. Donc, c'est pas grave si c'est pas très net, puisqu'on va avoir le liner. Hein. On va essayer de faire une jolie pointe. Alors, ensuite, je prends la Alexis Stone, comme ça, des toppers. Et je prends celui qui a les paillettes bleues pour rajouter des paillettes bleues partout. On est bon pour les fards. Et je vais commencer avec le liner blanc pour pas qu'il se teinte. Donc, je prends un pinceau. Je prends le Glisten. Je vais faire mon creux avec le liner blanc pour commencer. Donc, je commence. Je suis juste ma forme jusqu'au bout de la pointe. Du coin interne jusqu'au coin externe. Voilà, donc on repassera au blanc après, on va passer au bleu. Donc je prends un autre pinceau liner et je vais prendre la Révolution et je vais prendre le bleu ciel ici. Je crois que je ne l'ai pas encore utilisé celui-là. Ouais. Donc je vais commencer par le creux ici au-dessus. Ah, il est un peu plus foncé que ta couleur, ma foi, tant pis, il est beau. J'aurais dû prendre le bleu ciel. Dans l'autre palette, mais tant pis. Faut que j'arrête de dire ok à chaque fois que j'ai fini quelque chose. Ça m'énerve au montage. Alors, ensuite, on part du coin interne. Donc, je vais pas trop contre le ras de cils. Enfin, si, mais pas trop. Oh, je vous explique de mieux en mieux les choses. Et donc, on rejoint le blanc ici au-dessus. On repasse au blanc pour le trait. Bon. Voilà, je vais le mettre comme ça. Voilà, ça fait bizarre quand même. Hein. Donc, le blanc, on a fini. Mais j'ai perdu le capuchon. Non, c'est pas ça. Bon, je le rangerai après. Et du coup, je reprends le bleu pour terminer avec un plus petit trait ici. Mascara et sur les lèvres je vais mettre mon crayon Sohar et je vais mettre le baume comme ça en teinte, je crois que c'est négligé, ouais c'est ça, de chez Huda. Donc c'est juste un baume hydratant mais légèrement scintillant et je trouve qu'il fait très beau sur le Sohar. Je viens vous montrer ce que ça donne et on peut passer au quatrième liner. Pour le quatrième make-up, à la base, je voulais faire celui-là de Manon Ziel, hein, qui m'en fait toujours plein. Il y en a encore un à elle après. Hein. Mais je ne vais pas le faire puisqu'il est très ressemblant à l'autre, sauf qu'elle, elle a mis des flocons que je vais coller, hein, tout simplement. Du coup, j'ai été voir dans les autres liners que j'avais en format classique, enfin, quand vous m'avez envoyé sans thème, et je suis tombée sur celui-là de Juliette. Donc, elle a mis des petits papillons en extérieur, mais du coup, je vais reprendre les flocons de Manon, pour mettre à la place des papillons et garder le principe du liner, enfin de la paupière mobile comme ça en bleu. Je trouvais que ça allait bien avec le thème de l'hiver. Donc on va faire ça, mais sauf qu'à la place des papillons, je vais coller des petits flocons holographiques. Donc voilà, Manon, j'espère que tu m'en voudras pas. Et Juliette, j'espère que tu m'en voudras pas. À la place des papillons, j'ai mis ça. Mais au moins, comme ça, ça fait un make-up que j'utilise, que vous avez déjà fait. Donc il y a du blanc et trois sortes de bleus, donc un bleu très foncé, un peu moins foncé et un plus clair. Donc je vais prendre la Glisten, le blanc de chez Glisten et je vais prendre le bleu ciel ici de chez Révolution. Donc je vais commencer avec, je vais prendre un pinceau comme ça et un pinceau comme ça et avec ce pinceau là je vais
mettre à chaque fois la bonne couleur comme ça sur la pointe et on n'aura plus qu'à balayer comme ça fera un joli dégradé. Et il faut que je regarde dans quel sens je mets mon pinceau. Donc je vais l'appliquer comme ça. Donc le blanc est en haut. Donc je le mets comme ça. Et je le mets en bas. Donc il faut en mettre assez bien. Et là, j'en ai pas assez bien. Sinon, ça marque pas bien, tout simplement. J'ai jamais essayé hein, de faire un espèce de ombré comme ça. On va essayer. Donc on va essayer. Sinon, j'efface et je recommence. Bon, ça fonctionne à moitié. Disons que le pinceau, il est un peu large pour suivre bien la forme. Mais je pense que je vais peut-être quand même le laisser comme ça. On va juste peut-être rectifier après parce que vous voyez, ça va cluser. Mais écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc là, je vais prendre l'autre côté du pinceau et je recommence. Donc attention. Écoutez, c'est pas trop mal, je trouve. Donc là, je vais rapprocher un peu mon miroir et je vais reprendre ce pinceau-là et les teintes une par une pour les redéfinir un tout petit peu. Donc, je commence par le plus foncé. Surtout en coin interne et en racine. Mais je vais pas trop insister non plus pour que ce soit net, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez le côté un peu carré comme ça, j'aime bien. Donc j'essaye de que pas trop cligner des yeux pour que ça sèche. Là, je me suis foulée dans l'œil. Oh, oh. Oh, quel gogol. Je fais n'importe quoi, il est tard. Il est tard et c'est le quatrième que j'enchaîne là. Heureusement que j'ai fait la sieste entre temps. Et là, j'ai foiré tout mon teint. Bien joué. Donc, pour couvrir un peu ma petite rature ici sur le teint, je vais prendre ma base, ma paupière, parce que je ne sais pas dans qui ça me va. Je vais pas acheter le coincé. Je n'ai pas de dentisseur ouvert. Donc, je vais mettre un petit peu de base. Je vais blender avec un pinceau. Ah, quand on s'en fout dans l'œil, ça fait mal. Bon, tant pis, hein, on dira que je suis cernée. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Ensuite, ben c'est tout pour les liners. Donc j'espère que là, ça va sécher. Je vais coller deux petits flocons holographiques de chaque côté. Alors, en muqueuse, je vais mettre du bleu. Oh bah, je vais mettre celui des Bratz. Je crois que je ne l'ai pas encore testé. Et sur les lèvres, je vais mettre le Too Faced comme ça. C'est. Oh, je ne sais plus la teinte. Marshmallow, je crois. Quelque chose comme ça. C'est un rosé un peu corail. Ça ira bien avec le bleu. Je viens vous montrer ce que ça donne. Et on peut passer. Au dernier liner, j'espère les filles que ça ne vous dérange pas, que j'ai transformé un petit peu, que j'ai cumulé vos idées à toutes les deux. Dernier make-up, on part chez Manon Zial du coup, voilà, et je crois que c'est le préféré, c'est le modèle que j'ai préféré, donc j'espère que le rendu sera aussi beau que l'idée, c'est celui qui vraiment représente le plus l'hiver, donc voilà, je mets mon petit truc en coin interne, que j'ai oublié de mettre juste avant. Donc pour commencer, c'est un trait de liner mauve vraiment parme. Ouais, pastel parme. Donc je vais prendre suite chez Révolution juste ici. C'est bien, ça me permet de les tester.
Je suis coach. Mais ils sont chiants, hein. Franchement, les révolutions sèchent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Enfin, c'est même pas qu'ils sèchent. J'ai l'impression plutôt que le produit absorbe l'eau, que l'eau descend au fond du produit. Je sais pas comment expliquer. Bref. Alors. Je vais mettre mon petit coussin, rapprocher un peu mon miroir que vous ne voyez pas. Stylo. Donc, thread liner classique en lilas, parme. Ouais, parme. Enfin, mauve pastel, quoi. Vous voyez, il est déjà sec. C'est un truc de fou. Alors, je me suis démaquillée à la barbare, hein, mais il est tard. Hein. Je sais pas quelle heure il est. Là, il est 19h. Je suis le dernier de la journée. J'ai enchaîné tous sur la même journée. J'ai plus de face. Ce soir, on fait un masque. Hein. C'est impératif. Là. Il est très, 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 très clair. Hein. Ça va, en séchant, il prend une teinte un peu plus parme quand même. C'est quand même très léger. Hein. Voilà pour ça. Alors, ensuite, on a le petit bonhomme de neige et les petits points blancs qui représentent la neige. Donc, je prends le Glisten que j'aurais pu nettoyer parce qu'il y a un petit peu du bleu dedans. Alors, attendez. Donc, je vais prendre le cul de deux pinceaux. Je prends un peu plus gros que l'autre pour faire le corps du bonhomme de neige et la tête du bonhomme de neige. Donc, le corps. Voilà. Alors, je vais faire le bonhomme de neige que d'un côté. Je ferai les flocons des deux côtés, mais je vais faire le bonhomme de neige que d'un côté. Parce que de l'autre côté, j'aurais trop de mal à faire les détails. Et j'en prends un plus petit pour faire la tête. Ah, ça a coulé. Il est en train de fondre, mon bonhomme de neige. Ça, c'est la mémerte. C'est la grosse mémerte. Il fond. Note à moi-même, ne plus filmer si tard. C'est trop tard. Après, mamie est fatiguée. Donc, je prends le cul d'un pinceau plus petit pour faire quelques points. On va en faire des de tailles différentes. Il est trop humide, en fait. Mais ça va pas du tout. Ça coule de partout. Oh là là, mais qu'est-ce que je fous, là? C'est un truc de fou. Comment je peux rater autant de détails, quoi. C'est des petits points. Enfin, des gros points, mais c'est des points. Beaucoup trop émise. Alors, je vais prendre un dotting tool. J'espère que ça va plus trop baver. Et je fais des points un peu plus petits. Je prends l'autre côté, c'est encore plus petit pour faire des tout petits, petits, petits. Je vais prendre le rouge, donc je prends le tamis pour faire l'écharpe. Je vais mettre une micro-goutte, parce que je n'en ai pas besoin de beaucoup. Et pour faire le chapeau, et je vais quand même essayer de lui faire des yeux, hein, je vais prendre le liner NYX, parce qu'il est assez précis. Franchement, j'ai bien aimé, pour les détails, il est top. Donc, je vais déjà lui faire ses deux petits yeux. Et faire aussi des boutons. Voilà. Et je fais le chapeau. Et voilà. Moi, je pensais que ça serait plus long que ça. J'aime bien. Je trouve que c'est le plus beau par rapport au thème. C'est celui qui ressemble le plus au thème. Je vais mettre du crayon. Attendez, je cherche. Je sais pas. Ouais, ben, je vais mettre le pastel mauve des Bratz. Et sur le lèvre, je vais juste mettre un petit coup avec le rouge à lèvres Marc Jacobs Mascara. Je viens vous remontrer
Ouais, j'ai la quête. Je viens vous remontrer ce que ça donne et on en aura terminé. Donc voilà les 5 liners sur le thème de l'hiver. Donc j'espère que ceux qui ont participé, le rendu vous a plu à chaque fois. Je vous remercie tous ceux qui participent. Vous avez franchement des idées incroyables à chaque fois. J'adore. Je crois quand même que j'ai un léger petit coup de cœur pour celui-ci, n'est-ce pas? Voilà, je le trouvais très beau déjà dessiné. J'avais hâte de le faire et je suis contente du rendu. Bon, à part mes petites bavures, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Mais il est tard, mamie est fatiguée cette heure-ci, hein, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré, hein, voilà. Si comme moi c'est celui-ci, enfin je les ai tous aimés, hein, mais celui-ci j'ai un petit coup de cœur pour le raccordement par rapport au thème. Donc voilà, n'oubliez pas que vous avez le face chart à télécharger en barre d'infos si vous voulez participer, qu'il me faut encore au minimum un pour la Saint-Valentin, et après on attaque les gourmandises, donc vous pouvez déjà m'en envoyer par mail que vous avez également en bas. Voilà, voilà. Donc n'oubliez pas de laisser le petit pouce en l'air. J'espère que le fait que ce soit des thèmes de chaque mois vous plaît. Dites-moi ça aussi en commentaire. De vous abonner aussi si c'est pas fait, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.